Salut à tous, c'est Lune, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo et bonsoir. Demain, n'oubliez pas vendredi, on est actuellement vendredi, mais demain les gars, eh bien, c'est quoi demain les gars? C'est la LaSalle Cup à 21h, donc rendez-vous ce soir pour le live à 21h. On va essayer de kiffer au maximum, sachant que je vais participer à la Cup. Donc croyez-moi que ça va être plutôt sympathique. Donc rendez-vous à 21h pour le live. En tout cas aujourd'hui on est avec Yaya, bonsoir Yaya. Bonsoir, bonsoir tout le monde, comment ça va? Bah écoute, ça va. Alors Yaya, tu fais des vidéos aussi sur YouTube, donc tu fais du GTA aussi également. Exactement, exactement. L'actualité voilà. Et tout, hein. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne, Yaya54, actualité sur GTA, n'hésitez pas. En tout cas, wow, shit. Hein. Ah, c'est avec le nouveau véhicule? Ouais. Pas mal, pas mal. C'est la nouvelle Clio. Donc, je sais pas ce que t'en penses, as pu tester un peu ou pas? Franchement, en termes de customisation, elle est vraiment incroyable, mais en termes de vitesse, pas ouf, hein. Après c'est une Fiat hein, donc forcément ouais. C'est vrai que dans mes commentaires j'avais dit que c'était une Mini, mais c'est enfin, en fait Abruzzo, c'est une Fiat, c'est pas une Mini. Mais en termes de customisation, franchement incroyable hein, en plus c'est chez Benny. Ouais, bah surtout les ailerons et tout, c'est abusé. Même en termes de capot, t'as vu le capot ouvert et tout, bah je l'ai pas mis, mais t'avais le capot ouvert, t'avais pas mal de trucs. Bon, en tout cas pour le moment elle tient plutôt bien le truc hein. Franchement ouais. Ok, parti pour le parcours. Okay. Ouais, parce que là, depuis là, on n'avait pas de parcours, on avait un peu de... Ah ouais, il a fait un parcours en mode... Oh, pourquoi je suis transparent? Ah, ok. Attends. Ah, mais le point... Ok, d'accord, ok. Ah, c'était pas là. C'était à gauche. Oh, heureusement que j'ai respawn. Ah, heureusement ouais. Que je suis tombé, en fait. Hein. Ah, c'est pas okay, mal, okay. Ça. Tu l'as pas en taux. Ville ma mère, je suis pas en taux. En fait, j'explique, je viens de tomber. Ah ok. Donc du coup quand je suis tombé, en fait quand j'ai respawn ça m'a mis devant le point. Enfin tu sais, ça m'a mis le véhicule tout droit vers le point quoi. Ouais ouais. Pas mal. Mais il a l'air le parcours hein, déjà, je suis en train de le voir là. Ouais, il est sympa. Ouais. Bon, ouais, après il m'a l'air vite, pas hein. Non plus compliqué. Non, un petit parcours simple, chill. Wow. Ouf, j'ai failli tomber. Wow. En fait c'est pas un nouveau véhicule, c'est une nouvelle customisation, on est d'accord. Non, je crois que c'est un nouveau véhicule, hein, la Brioso 300. Je sais pas si elle existe dans le South. Si, elle existe, hein. La 300 depuis tout court Depuis le DLC Caio Perico, je me rappelle. Hein. T'es sûr qu'elle s'appelait Brioso 300? Je sais qu'elle s'appelait Brioso quelque chose, mais. Je sais pas, peut-être, hein, peut-être, ouais, effectivement. C'est juste une nouvelle. Enfin, c'est juste une. Qu'on peut la mettre en Bénise maintenant, quoi. Ouais, c'est ça. Okay. Ouais, en tout cas, en Bénise, elle est magnifique. Hein. De toute façon, vous avez vu la vidéo hier. Si vous n'avez pas vu la customisation, n'hésitez pas à les voir. Et je pense que la salle vous fera aussi la customisation ce matin. En tout cas, pour le moment. Comment elle a drift. T'es parti, toi, je te vois plus. T'es où, toi? T'es vers où? Quel point? Je suis le 19. Ah, ok. Là, les gars, je suis parti un peu en freestyle. Hein. Donc, je suis tombé, il y a moins que tu me rattrapes. Ouais, je suis juste derrière toi. J'ai vu que t'es tombé, faut pas aller vite, je crois. Ouais. Bon, ce qui est bien, c'est que tu peux du coup voir ce que j'ai fait comme erreur de merde et j'ai refait la même chose après. Ok, d'accord, je vois. T'es allé vite aussi? Ok. Non, tout doucement même. Ouais, c'est bon. J'ai un peu compris le truc. Ok. Allez. Attends, je vais te pousser pour. Wow, mais t'as vu comment elle a du mal à démarrer? Vas-y, t'inquiète, tu peux me doubler. De toute façon, on est là pour faire la course. Hein. Ok, bien joué. Pour l'instant, je vais pas te mentir que là, en termes de parcours, le véhicule n'est pas vraiment pas du tout fait pour les parcours. Mais du tout. Galère pour monter. Hein. Mais pour ceux qui aiment bien les Fiat, tout ça, bah, c'est un beau véhicule à custom. Après, bon, il va vous coûter quand même plus d'un million. Ah ouais, c'est à l'autre côté. À droite, ouais. Il va vous coûter quand même plus d'un million, les gars, parce que le véhicule de base, il coûte 610. Et la customisation pour le transformer, c'est 595, il me semble. Ouais, c'est ça. Et surtout, après, bah, t'as tous les autres qui sont derrière. Donc, à peu près 1,5 million, je dirais. Wouah, je fais n'importe quoi des fois. Ça avance, celui-là. Ouais, ouais. Sympa. Ok, je te laisse aller doucement.
Enfin, je vais pas me précipiter, tu vois, parce que quand je me précipite, mon véhicule, je sais pas, il. Alors, je sais pas si c'est le véhicule ou pas, mais tu sais, des fois, il tourne un peu tout seul et tout. Ouais, c'est ça me l'a fait tout à l'heure. Pas pourquoi. Ok. Et... Une balade. Ouais, par contre, c'est pas non plus compliqué comme parcours, hein. Ouais, petit parcours chill. C'est pas le parcours de la semaine, on est. Non, c'est le. C'est un créateur. En fait, tous les véhicules qui sortent, je fais toujours ces parcours. Ah ok, d'accord. Pas C'est un mal. bon créateur qui fait pas mal de beaux trucs, honnêtement. Bah, vous avez son nom ici en haut là qui va s'afficher. Voilà, regardez son nom. N'hésitez pas à faire ces parcours, ils sont vraiment sympathiques. T'es tombé? Non. Ah ouais, t'as bombardé Wow. toi. Ouais, j'avoue, là, j'avoue, j'ai pris le risque. C'est bien des fois. Oh, vas-y, je Vas-y, bombarde aussi. défi. Défi en moins de 10 minutes. En moins de 10 minutes, tu penses qu'on peut le faire? On est à 28. Ouais, il y a moyen. Hein. Ah, faut faire demi-tour, ok. Hello. Wow, j'ai tourné au dernier moment, c'était abusé. Ok, je vais tourner par la gauche, je suis passé à droite avant. Non! Je suis allé trop vite. En fait, de base, je comptais à la droite, et du coup, j'ai mis un coup jusqu'à gauche. C'est chaud ici, un petit truc fin. T'as la fond pas au truc fin après? Oh, je suis tombé. T'as dit quoi? T'as la fond pas au truc fin? Ouais. J'allais direct. Bon, en fait, tu vois, ce qui est bien, c'est que le véhicule il est petit, donc en vrai. Franchement, j'avoue. Il est pas mal. En fait, c'est stylé le véhicule. En vrai, il est beau. Moi, j'aime bien. Un petit rassemblement. Oh, je suis en train de faire un truc de fou. Ah ouais, en fait, là, on retourne au départ, d'accord. Ouais, j'ai bombardé, mais t'imagines même pas à quel point. Par contre, pourquoi il aime ralentir ici, j'ai pas compris. Il aurait pu nous laisser aller à fond, tu vois. Ok, je crois qu'on revient au point de départ en fait. Ouais, je pense que ouais, hein. Ouais, c'est ça. Hein. Moins de 10 minutes, ça va être, je pense, easy parce que là, j'ai l'impression de Enfin, je pense. qu'on est en train de quitter le parcours. Ouais. Bon, ce qui T'es est bien, juste c'est derrière moi. qu'on s'est suivi. Bon, j'ai fait des petites erreurs de merde, hein, j'aurais pu ne pas les faire. Comme toi, t'as fait des erreurs de merde, j'imagine. Tu sais, des fois, on fait des trucs dans les parcours assez bêtes, tu vois. Genre, tu dis, mais comment tu J'avoue. fais pour tomber ici alors qu'en fait, t'as pas à tomber. Et bah voilà, les gars, je crois que c'est la fin. Eh ben écoute, bien Ouais, c'est joué. la fin, je pense que c'est la fin. Effectivement, on revient au point de départ, en fait, là où on est venu. Le parcours était plutôt sympathique, bien joué pour ta première place. On se suit à peu près 10-20 secondes d'écart. Et honnêtement, si j'ai un conseil à vous donner, la Briozo 300, elle est pas mal en customisation, mais en termes de parcours, c'est pas non plus. Voilà, c'est pas non plus le véhicule qu'il faut prendre dans les parcours. Oh, voilà, vous ne faites pas de parcours du tout avec ce véhicule. Voilà, sur ce, je vous laisse là-dessus. On se donne rendez-vous demain à 21h pour le live de la LaSalle Cup numéro 3. Ciao, ciao.